commencer par faire des petits niveaux, enfin des je ne sais pas combien, on verra au moins un, de l'anniversaire, les 4-year MM. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Chaque année, il y a l'anniversaire de Mario Maker. Là, le 4-year MM, c'est donc le 4e anniversaire de Mario Maker, qui en l'occurrence se passe sur Mario Maker 2. Et on va voir ça tout de suite. Celui-là, apparemment, il est gratos. C'est 90% de réussite. Mais bon, en général, ce sont des créateurs triés sur le volet, j'ai envie de dire. C'est organisé par la communauté, hein, absolument pas par Nintendo. Mais voilà, let's root for each other and watch each other grow. Voilà, soutenons-nous mutuellement et voilà, regardons-nous grandir mutuellement. Enfin, vous voyez l'idée. On va voir ce que ça donne. On va juste chercher des bons niveaux, tout simplement. Par là. Ok. Comme ça? Non, comment? Oui, sympa, mais c'est un petit peu long sur le même gimmick en permanence. Hey, salut! Coucou! Alors, coucou Hippocra, coucou Chocomax.
Voilà, ouais, si je parle. Non, alors, si, pour le coup, si je parlais pas, c'est parce que, en général, les niveaux que je joue, bah, j'essaye de trouver des bons niveaux. Bah, pour le plaisir, déjà, parce que forcément, quand on joue des bons niveaux, on s'amuse plus que quand on joue de mauvais niveaux. Je crois que jusqu'ici, tout est logique. Mais c'est aussi parce que bah, ça fait des vidéos plus intéressantes sur YouTube et c'est pour ça que je parle moins. J'essaye de faire en même temps une sorte d'enregistrement propre, on va dire. Hop. Et donc là, on est sur un niveau qui techniquement est très très bon, mais qui est un peu monotone. Voilà. Bon. Ouais, pour le coup concentré, oui ça va. Là c'était le niveau vraiment facile. J'ai regardé la liste. Alors on va quand même donner un like parce qu'il est bien construit, il n'y a aucun souci avec ça. Je regardais la liste des niveaux faits pour le 4e anniversaire de Mario Maker. Et celui-là c'est celui, c'est le seul qui a un pourcentage de complétion vraiment élevé. Alors. Et en plus, les pourcentages de complétion, faut pas vraiment se fier au pourcentage pour les niveaux de anniversaire, parce que souvent, bah, il y a beaucoup, dès qu'ils sortent, il y a beaucoup de streamers qui le font, etc. Des gars qui jouent à Mario Maker toute la journée, qui sont super forts. Donc, ben voilà, s'il y a genre 5% de complétion, ça vaut un 2% normal. Ouais, et là, on est sur du 4% et demi pour le prochain. Voilà, on va voir. Et merci pour le. Il manque une belle voix. Oh, une belle voix. Oui, je sais pas. Une belle voix. Alors, The Koopa Company is at it again. Stop them before they destroy the forest. Ok. On arrête la Koopa Corp avant qu'elle détruise la forêt. On va essayer. Mais en général, je fais le niveau quand même. Je parle, etc. Et surtout sur un niveau où je sais que je vais mourir un peu. Et j'essaye de le one shot derrière. Déjà, j'aime bien la déco. Alors, attends. Ah! Non, pourquoi j'ai glissé? Comme si j'étais sur de la glace. Oh, tout ça pour une pièce de 10. Ah oui, ok. Alors, voilà, merci. J'ai envie de dire jusqu'ici tout va bien. Ça va tomber là-haut. Non! Ouh la vache! Il n'y avait pas vraiment de thème pour le 4e anniversaire, je crois. Enfin, en tout cas, s'il y en a un, j'ai pas vu, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de niveaux. Oh mon dieu! J'avais pas compris que ça allait se passer comme ça. Ah d'accord, direct! Ok, ça se corse après le CP. Ah, on peut pas rebondir dessus. Ok. Je pensais qu'avec le R on pouvait. Ah, il adapte son lancer à ma position, le coquin. Oh, putain, ça va être compliqué là. Ah, mais oui, évidemment, mais baisse-toi.
Ah, je pense que si on arrivait grand au bout, il y avait un autre passage. Ah non. Tu dis, j'ai complété un niveau ce matin, ça m'a pris 30... Waouh, 30 heures et plus. Avec un hub, mais le niveau se fait en 4-7 minutes. Je suis pas habitué à avoir de longs niveaux. Ah, compléter au niveau de création, d'accord. Oui. Tu fais bien de préciser. 30 heures et plus. Eh ben, je serais tout à fait curieux de le tester si tu veux me montrer ça. Là. Putain, mais bien sûr. Un peu abusé ce passage. Surtout celui-là où faut attendre à chaque fois. Ah merde! Effectivement, il y avait un on-off. Il y avait effectivement un on-off. T'as mis plus haut le code? Très bien, bah, j'irai regarder ça. Allez, dernière tentative parce que le niveau ne me plaît pas. Parmi les niveaux anniversaires, parfois il y en a qui sont trop durs. Mais là, c'est pas le problème. C'est complètement osef les mécanismes en fait. Ah! Ah bah oui, en même temps c'est logique. J'aurais pu m'y attendre. Bon allez, c'est bof. Et on quitte le stage. Ok, je vois le code. Très bien. 0M5. Un 0M5, JN6. VNF. Ok. Morton's Mansion Guided Tour. Oh putain, oui, le record est 8 minutes. Follow the guide to find all red coins. Ok, don't forget your souvenirs. Alors, all red coins. Je vois qu'il y a des pièces en haut. Effectivement. Ça ressemble un petit peu au faire un tour plusieurs fois. Enfin, on va voir. Pour le principe, on vérifie. J'aime bien le début. Ah non, ok, donc faut pas que je gâche tous les power-up là pour le moment, si j'ai bien compris. J'ai pas forcément bien compris, mais. Ah, ça je prends, oui, merci. On verra ça plus tard. Ah, d'accord. C'est indiqué en dessous. C'est bien ça. Et avec un CP recyclable. Oh oui, il a l'air bien travaillé, effectivement.
Ah bah là j'ai pas eu le choix de la toucher ou pas. Alors il disait suivez le guide, j'imagine que c'est les c'est là-haut. Je vois pas à quoi ça correspond. Ah, il faudrait le casque ici. Ou le spring. Bon, on oublie. Je voulais faire un drop sur le Change Swamp. Non, 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 on va le garder quand même, on va le garder. Alors j'attends que les frères marteaux descendent vraiment tout en bas, mais je suis pas sûr qu'ils le fassent. En fait. Voilà, alors celui du haut, on le voit pas arriver. Ah ouais d'accord. Elle est comme ça lui. J'aurais sans doute pu voir du prendre un power up, mais c'est pas grave. Alors, donc on est dans la salle du milieu. À côté, on était évidemment dans la salle de gauche. On va aller dans la salle de droite. Là, et il y en a. Ah, d'accord! Plein de power up, heureusement. Ah, c'est pas forcément ce que je voulais faire, mais ok. On va aller voir. Wesh. J'essaie de trouver une strat pour le défoncer, mais de toute façon il me manque la clé là. Ah bah oui, il faut son vaisseau pour la clé. Okay. Ah ouais, mais est-ce qu'il remonte son vaisseau si lui je l'envoie en bas par exemple? Je vois pas trop comment le fumer en fait. Descends, descends. Ah oui, non, il n'y a pas de trou. Je peux pas le fumer. Non! Allez, viens là. Ah, c'est honteux. Ah, ça je prends. Alors, je vais aller prendre un petit bonus, genre le casque.
D'accord. Allez, viens la coquinou. Ah, j'ai été trop pressé. Non, mais quel abruti. Voilà. D'accord. Effectivement, le timer, t'as de pour le valider, ça a dû être quelque chose. Alors ici j'en ai pris un, deux. Est-ce qu'il y en a un troisième? Oui. Comme quoi, quand on passe du temps sur un niveau, c'est bah voilà, c'est du temps, c'est sûr, mais c'est bien investi. Me faire un niveau comme ça que 10 autrement. Ah tiens, ça me fait pas comment je suis censé y aller là? Ah d'accord. Ah d'accord, les boules de feu détruisent ça, c'est bien, bon à savoir. Enfin les boules de feu, c'est les boules de feu. J'aurais pas cru. Ah bah non, c'est son stomp qui détruit ça. Allez, 23 secondes, on a zéro chance de le finir, mais c'est pas grave. On va faire comme si. Allez, on court! Allez, 4 secondes, on peut y arriver! C'est le gars qui vit dans un monde. Ah merde, j'avais plus évidemment le. Okay. Temps écoulé! Oh bah non! Mais jusqu'ici le niveau est très très bien, il n'y a pas de souci. Alors est-ce que ça va reset les bonus? Normalement oui. C'est bien de pouvoir faire le recyclage comme ça. Pour le faire soi-même. Comme on est foufou, on va prendre ça aussi. Ah, on est full stuffé. On ne voit presque plus Mario. Ah! Alors attends. Comment est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ça? Il faudrait la fleur de feu? Comment je l'avais ouvert? J'avais pas dû faire exprès de l'ouvrir. En tout cas, j'aime bien le principe, voilà, des power-up. On voit ce qu'on aurait.
Ah, j'ai gâché un petit peu la feuille, mais c'est pas grave. Ah, je vois le principe. Ok. Ah, pile entre les deux, lol. Et là, tout en haut, je pense. Mais du coup, comment je monte? Ah, il y a ça pour péter le... Ah, c'est une étoile, ok. Voilà, je me doutais que c'était sur le soleil, je me suis dit, tiens, il y a une boule qui va sortir. Alors, elle est où la porte? Il y a une boule qui va sortir, il va falloir timer le tombé de boule sur le soleil, mais en fait, non. Ah, j'aurais pu prendre le 50 en dessous, mais c'est pas grave. Et ben GG, bon niveau. Un niveau qui fait plaisir, y a pas de souci. Il est fort sympathique. Alors. Je vais regarder un petit peu. Petite seconde. Avec Cake. Je regarde les niveaux de 4e anniversaire, les différents pourcentages de réussite. Ouais, c'est tout entre. Oh putain, 0,8, non. C'est beaucoup entre 1 et 3%, on va dire. Le No Paddle Pond, là, il m'intrigue. One player only, standard, ok. 6 RT. Ouais, on voit qu'il y a du boulot sur ton niveau, mais du coup, c'est ultra propre. Ça, il n'y a pas de problème. Et en plus, c'est un niveau accessible, t'as pas mis des dingueries de difficulté dedans. En plus, c'est assez clair sur où aller. Limite, le petit plan n'était pas nécessaire, alors c'est joli qu'il y soit. C'est toujours un plus. Voilà, ça vaut le coup de bosser ces niveaux comme ça. Celui-là, il aura du succès, il n'y a pas de souci. Ah! Je vois le principe. Faut pas nager, en fait. No paddle. Ok. Ah, raté. Donc c'est mort. Voilà. Voilà, parce que lui ça le fait monter là. Et comment je suis censé le faire ça? Ah, ok. Par contre, il n'y avait pas de checkpoint, ça c'est un peu relou. Oh putain, cette salle là elle va me saouler. Hein. Pause terminée, merci encore. Reviens tout à l'heure, c'est encore là. Ok, ça marche à toutes. Ah.
Non, trop tôt. Alors j'ai aucune idée de comment fallait faire là. Mais genre aucune. Ah oui, si bien sûr, quand on porte un objet, on va vers le haut. Ouh, il va pas être simple celui-là. Est-ce vraiment nécessaire de mettre ce gars-là? Comment on fait là? Thank you.
Donc pas comme ça déjà. Il va être insupportable ce niveau-là. Ouais, bon, ben... Si le but c'est de compléter le niveau, raté. Voilà. Sage. Populaire. Quand même. Ah, les listes platforming. Ouais, non. C'est un peu toujours les mêmes. Gomba Speedrun, pareil. J'ai l'air bien décoré, mais bon. Désert platforming. Tiens, c'est quoi ça? On dirait Mario 1-1, mais il y a peut-être une feinte. Il y a sans doute une feinte d'ailleurs. The movement of pipes is prohibited. Le mouvement des tuyaux est interdit. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un speedrun de 20 secondes, hein. Je sais pas si vous avez vu. Ok, bon là on a un petit défi sympa. Donc là c'est déjà raté. Oh la vache! Est-ce qu'on peut le faire ce saut? Non. Faudrait que je retrouve comment. Que je trouve comment le faire celui-là.
Là, je me ralentis à chaque fois. Faudrait que je trouve une feinte. Quitte à ralentir pour la trouver. Non. Donc là c'est déjà mort. Ah, cette partie avec la tortue et les blocs points d'interrogation, c'est compliqué. Bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une étoile. Oh mon Dieu! Mais c'est vrai qu'il y a une étoile là. LOL! Bon, par contre, c'est mort, mais si je réussis à la voir du premier coup, ça peut être intéressant. Ça peut valoir le temps que je perds à la prendre. Coucou, Kev2, dis-moi quel nom composé de plusieurs noms. Il y a aussi un tuyau où je peux rentrer dedans, dis-tu. Ouh, 17. Alors justement, il y a la description du niveau, c'était pipe, je sais pas quoi, prohibited, donc mouvement des tuyaux prohibés. Oui, tu peux poster un niveau, il n'y a pas de souci. Alors, je veux juste recommencer un petit peu pour faire propre. Dit-il en faisant pas propre au bout de littéralement une seconde. Voilà, c'était quand même plus propre. On est loin du record, mais c'est pas grave. Alors, ouais, j'ai pas de commande add ou list, mais on fait ça à la fraîche entre nous. On s'arrange. Voilà, tu disais, tu voyais, the movement of pipes is prohibited. Donc, je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Oh, le speedrun en dessous a l'air pas dégueulasse. Alors, si vite fait, c'est 30 secondes, je regarde vite fait et on se fait ton niveau. J'espère que c'est un niveau sympa que tu m'as posté. J'ai tendance à vite perdre patience sur les niveaux, je grind pas en fait. Ok. Attends, celui-là peut être fun. Putain, mais il faut sauter du bord de la plateforme. Ah ok, faut juste retomber. Il reste 13 secondes. Ouais, il va pas être long.
Ton profil, tu pourras choisir, ok. Quel idiot. Je le vois, le pauvre. Je suis là. Ah, pas trop tard. Comment je le loupe? Comment je le loupe? Ouais, alors on va totalement le refaire parce que la fin c'était en mode... On voyait que je savais pas où aller. Je veux le faire un one-shot propre. Tant vu qu'il n'y a pas de checkpoint, je vais pas avoir le choix de faire autre chose qu'un one-shot. Hop. Donc des niveaux qui sont relativement difficiles, ok. C'est quoi ce bump? Bon bah c'était pas propre de ouf mais c'est pas grave. Allons voir ton profil. Alors PCJ, je précise que... Alors par courtoisie, quand voilà, il y a un niveau d'un viewer, je ne mets pas debout évidemment parce que bah, c'est un petit peu méchant. Voilà, ça nuit à notre lien interpersonnel, on va dire. Mais je suis pas... c'est pas le genre de stream où on peut farmer les likes. Je préfère prévenir. But it's infested. Bah dis donc, c'est un thème. Mysterious boat trip, 1.37. A mysterious boat is waiting for you, ready to overcome the journeys. Non. Ah par contre 45 secondes le record, donc soit il y a un... T'as un 10 sur 726, ok. On regardera peut-être. Infested ça veut dire quoi? Qu'il y a masse de monde? Tiens, random guy qui a le record, il est marrant lui, random guy, il a plein de records. Il en a sur certains de mes niveaux aussi. Old Torture Mansion. Ah oui, on sent que, comme un thème du genre infestation, torture. Ah, c'est un état d'esprit. Celui-là, je suis curieux de voir de quoi il s'agit, mais. Ah oui, c'est ton thème préféré, quoi. Moi aussi le one-one, but it's infested. But the mansion destroy Mario Bros. World. Ok. Alors, pas troll. Ok, ouais, oui, non, mais je vois l'idée. Tu affiches le fait que ça va être dur, donc.
Eh ben, je vois ce que tu veux dire maintenant par infesté. En gros, t'en fais des niveaux précision. Y a pas de souci. Ouais, oui, c'est de la précision propre. C'est pas du pixel perfect ou je sais pas quoi, mais c'est du. Je vois tout à fait l'idée. Bah, je suis content de l'avoir one shot celui-là, tiens. Tu dis sur Mario Maker 3DS, Wii U et Switch, j'en ai jamais fait de troll. Ok. Oula. On veut plus of wall jump. Ouais. Mysterious Forest of Tutorial. Voyons voir ça. Après, j'essaierai peut-être un autre Infested. Ok. Alors, je vais rester là et regarder un petit peu. D'accord, faut faire ça là-haut.
Ah, y a trop de spam, c'est sale, quoi. Ok, GG. Tu dis, j'ai voulu faire comme le combat contre Ganon avec du feu. Le combat... Alors, lequel? Dans le sens où dans l'ensemble des Zelda, il y en a, ça en fait un paquet au final de combat contre les Ganon. Ouais, il a bien mérité son coup quand même parce qu'on voit qu'il y a du boulot dessus. Voilà. Je m'attendais à un moment, vu que c'est un tuto, au, à la, tu sais, la course avec l'épée. Mais non, mais c'est pas grave. Boot challenge medium. Coucou, Isley Labs. Oh, hydratation. Merci, tu fais bien de le dire. Ah merde, où est ma bouteille? Alors, vu que je ne suis. Vu qu'il n'y a pas de vidéo, vous n'avez pas de preuve que je suis en train de boire, mais en même temps j'ai soif. Donc, hop. Est-ce que ça compte si c'est beaucoup d'eau avec un petit peu de sirop dedans? Je pense que ça hydrate quand même. Mais quelle bonne idée l'existence de ce truc hydratation. Alors, voilà, hop. Et donc, Isley Abs, si tu as aussi des niveaux à proposer, ça peut m'intéresser. L'idée, c'est vraiment la chasse au bon niveau. Bitfist Boss, finir. Ouh là là, Kaizo SMB2. Ah, Zekev qui l'a fini en 4 minutes, ok. Precision is a chocolate egg. Kaizo in snow. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Kaizo vraiment. One screen of precision. Ouh putain. Moins d'1%. On va aller voir. Je sens qu'il va être pénible celui-là. Je pense qu'il n'y a pas moyen de se poser sur le nuage. Non. Ah, le premier, je vais y aller YOLO. Hein. J'essaie de faire un truc un petit peu incurvé. Je vais essayer de me poser sur le bord du nuage. Ah bah c'était ça. Ah ouais d'accord, c'était ça mais j'ai eu un peu de bol en fait. C'est laquelle qui me tue, c'est celle qui est sur le nuage? Ouh il va être tendu celui-là. Ah, hop. Oh, je vois un saut à un moment là. Celui-là il est plus chaud qu'il en a l'air. Hein. Ah ouais, la fenêtre pour se poser, elle est super courte. Est-ce
ça me fait penser à un niveau que j'ai fait qui est dans le même genre, mais qui est à l'envers. Je suis mourir en boucle, hein. Ça, soyez pas surpris là-dessus. Alors, je regarde le reste du niveau. Donc, sauter par là. Après, il y a un saut qui est pas simple. À mon avis, il faut garder de l'élan en sautant là, ici, puis re-sauter tout à droite. Après, sauter en haut. Sauter en haut. Attends, à ce stade-là, ça fait deux pièces. Il y en a cinq. C'est une pièce en haut, là, tout en haut? De la colonne où je suis? Alors non, c'est pas une pièce, mais qu'est-ce que c'est de quoi? Non, c'est une plante qui est posée vers le haut. Ça veut dire qu'il faut faire un saut à l'aveugle pour... Ah bah non, on peut pas atterrir comme ça. Ah, mais l'écran scroll, ok. Bon, je vais prendre un point de repère au sol, ce sera plus simple. Par contre, je vais pas grind le niveau non plus. J'ai un principe du... Non, non, une plante là où ça suffit pas, je vais en mettre deux. Bon, j'ai le point de repère pour le premier saut. J'ai pas du tout le repère pour celui-là, dis donc. Ah! Autant la série des Infested, c'est de la précision fun. Autant là, c'est la précision. Vas-y, repère sur quel pixel t'es, quoi. Allez, salut. Ah, le record en 22 secondes, il est propre. Hein. Alors, ceci dit, je peux pas me permettre de critiquer. Je vais te montrer l'abomination que j'ai faite. Celestial, Quiet Garden, Inside. Non, c'est pas celle-là. Magnet Ionia Steroidus. Ce qui veut dire en latin plante géante sous stéroïde. Voilà, à partir du moment où j'ai fait cette abomination, je peux pas critiquer ton niveau, quoi. Ah, dommage, j'ai glissé trop loin. Voilà, tu vois l'idée. Ok. On va regarder un petit peu, il y avait... Un niveau qui m'interpellait. J'en ferai peut-être un des tiens plus tard, genre un Infested, ils sont sympas. J'en ferai un comme ça d'abord. Un comme ça, par un comme ça, je veux dire, hein, voilà, niveau populaire, expert, récent. 74 Days in Fire, Kaizolite.
Captain Toad, algie d'artillerie, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a des bons niveaux là en fait? Team Jump, ok. Team Jump aussi. Ouais, j'ai curieux de voir ça. Team Jump, ils font des bons niveaux. C'est pas les Team Shell avec des tricks impossibles. Oh, 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 dommage. Ah d'accord, ouais, ça c'est un petit peu vache par contre. Genre la deuxième flèche, du coup, elle sert littéralement à rien. Tu peux prendre que sur le premier repère. Sur le deuxième, c'est décédé quoi. Voilà, et là, pareil, ça dépend de où t'atterris. C'est la définition d'un setup junkie. Ah, oh putain, il est tendu ce passage. Enfin, disons qu'il est un peu technique au niveau de l'élan. What? Alors, attends. Repère là, d'accord. Ok. Mais le setup a l'air fun. Faut que j'arrête de parler en même temps. Le setup a l'air fun pour celui-là. LOL! Surtout qu'on devait être à la fin là, ça devait être le tuyau final. Ouais, j'ai perdu mon élan à la moitié. Hello! Bifisky. If that's how you pronounce your name. Probably not, though. Ah putain! Yeah, I do swear a bit. Oh, ça c'est vache. J'étais vraiment pas loin du repère quand j'ai rebondi. Que j'ai passé du premier coup. Really? Là pour le coup j'étais genre pile dessus. Ah. D'accord. Ouais,
Et voilà. Yes, Bifeski, your level is next, but before that, there's no queue, so we just, you know, do things a bit approximately or chaotically, I would say. But before that, I want to try, give it a few tries to one shot, je vais essayer un petit peu de faire en une fois. Non, sérieusement. I'll give it a few tries. Non, même problème que la dernière fois. Let's say 3 more tries. On dit encore 3 essais. What a wasted try. Alors là, c'était du gâchis. Oh non! Tu es toujours là? Oui. Ah! Dernier essai, last try to one shot. Non, bah voilà. LOL. Oui, je vois ça. Tu dis ça par rapport au fait que j'avais dit que je rejouerais un tel niveau? Ouais, je vois le nombre, etc. Ou par rapport au fait que je parle anglais de temps en temps, peut-être. Alors, your level, Bifiski, 0 HM. QFY. PNG. Let's see what you have for me. Voyons voir. Survive room after room. How long can you endure? Alors, je dois préciser une chose. I've got to warn you. I'm not grinding levels. And I will have the courtesy not to dislike levels. But there's no way to farm likes here. I just want you to know that. Oh. No. Interesting setup. Okay, I do have to take the hits, okay. That's one way to do it. Nope.
Still not. Very good. I'm gonna hate this so much. Oh no, come on. Not like this. What? Okay, okay. Never mind. Oh, I cannot hit them, okay. Again? What? Why? Ok, I can do this. Je peux faire ça, y'a pas de soucis, mais... Bah alors, ah oui, ok, d'accord. If my jump button is not working, it's not good. I know it sounds lame, but it's actually true, it's not the first time. Je sais que ça a l'air d'une excuse à la con de dire ouais, mais si mon bouton de saut il marche pas, gna gna gna, la faute à la manette. Mais en même temps, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai les Joy-Con de base que j'avais eu avec la console. Ok, last try to this room. Dernier essai jusqu'à cette salle. Non, non, non. Ah, quelle idée la con. Salut, Creepy Dusty, coucou à toi. Si t'as des niveaux, n'hésite pas à les poster. C'est pas forcément le thème, viewer levels, mais ça marche aussi.
Why? 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 Come on. Here we go. Wanna check something? No. Oh! Almost. I should have jumped again. J'aurais dû ressauter. Ah no, I was trying a new tech, but no. C'est une nouvelle façon de faire, mais c'était une idée à la con. This one is throwing the other way. L'autre il jette à gauche maintenant. D'accord. Ah ouais. Pff. Ok, let's go. Yeah, no. I said I will get back to that room. And I will. J'ai dit que je faisais un dernier essai qui arrive jusqu'à la chambre avec le Wiggler. Et c'est ce que je vais faire. Je concentre un peu. Not grab it. This one is rather tight. Coucou, Creepy Dusty, et ok pour le niveau. Why did I wait? Pourquoi est-ce que j'ai attendu? Call that level fun, but it's a fair challenge. Voilà, c'est pas le summum du fun ce niveau, mais c'est un défi intéressant. Really? I want to move that spike, that specific spike.
No. Really? There we go. Et voilà. Ouf. No, that was... Well, you know what I said? Forget I said anything. Let's go. The reason... I did not hate it, but the reason I did not give it a like, because... Well, the idea of checkpoints is... I understand why there is no checkpoint. I mean, that's the whole idea of your level, survive room after room. And you see how far you can go. But... It just... less friendly and less fun that than a level with checkpoints. Bah, fair challenge overall. Voilà, je dis que j'ai pas mis de like parce que y a pas de CP, mais et en même temps ça va contre l'idée de départ, le checkpoint. Donc je comprends qu'il en ait pas mis, mais bah du coup c'est moins bien. AJG. Ok, manoir des richesses, un manoir rempli d'argent, assurez-vous de tout prendre. Ok, donc j'imagine qu'il doit y avoir un critère de complétion du genre ramasser toutes les pièces ou quelque chose comme ça. Non, et tu l'as mon cher Krippidesti. And our friend Bifisky is maybe not here anymore. Ah ok, avec un scrolling, là ça devient un peu plus casse bonbon déjà. Assurez-vous de tout prendre. Oui, bah oui, bien sûr, on va tout prendre. Ah, ça prend les pièces. Ah, mais non, fallait le garder là. La tortue. Okay. Ah bah non, il y a lui. Savez-vous que techniquement il est possible de prendre jusqu'à 16 pièces dans un bloc multipièce. Normalement, il y a pas mal de gens qui les appellent les blocs de 10, parce qu'on prend 10 pièces en règle générale, mais il est possible, avec des sauts frame perfect et en arrivant au bon moment, d'en prendre 16. En tout cas dans Super Mario Bros 1. Ouais, bah là je vais pas pouvoir toutes les prendre. LOL. Ton scrolling, c'est une petite coquine quand même, hein. Bon, au moins, c'est pas toutes les pièces. Et voilà. J'ai l'impression que justement les blocs à pièces du début compensent les pièces qu'on louperait sur le chemin. Plus ou moins. Là c'est propre, c'est tranquille. Ouais, le petit coup de pression du scrolling, il était... alors il rompait un peu la monotonie du truc, mais en même temps il mettait un petit coup de pression, vraiment. Tiens, attends. Je vais voir tes autres niveaux. Et mon cher, où es-tu? Mon cher Noah, si tu es toujours là, je retourne sur ta page après. Voire même avant en fait. Si tu es toujours là, je vais direct sur ta page, Noah. Recal de pièces sur plateforme, sauter des épreuves, ciel embrouillé. Ciel embrouillé, c'est quoi ça? Bateau volant se cache derrière. Une mare sinistre. Question de rythme, passage assez compliqué. Bon, on va essayer ça. 5% c'est dans les trucs qui m'amusent en fait. En général. Ah d'accord. Non, ça m'amuse pas du tout par contre.
Quoi? Ah, faut que... Ah oui, d'accord, oui, je vois. Ah, on était donc censé faire comme ça, d'accord. Ouh, il est un petit peu vache celui-là. Alors, il y a moyen de passer sans le fromp. Quoi? Ouais, petit peu vache. Non mais c'est beaucoup trop précis là. Alors, on va pas se mentir, je tombe là-dessus en défi infini, c'est bof, hein. Il y a des passages pas désagréables, mais non, non. Laisse s'accroupir sinon pas assez de temps. Ok. Speedrun au réflexe, les plaines lointaines. Bah tant pis, allez go. On va aller voir. Dans les... Alors, Populaire Expert, toujours. Ah non, par contre, on va regarder Populaire Expert tous les temps. S'il y en a que j'ai pas fait dans les premiers. Ça m'étonnerait, mais... Les Flatforming 23. Ah, mais vous voyez, le... on dirait des thumbnails, les images. On dirait qu'elles sont extraites des mêmes niveaux, quoi. Ah bah tiens, des plateformes bleues. Oh mon dieu, des plateformes bleues. Mais qu'est-ce que c'est que cette plateforme? De quelle couleur est-elle? Oh là là, est-ce que ce serait des plateformes bleues? Oh mon dieu, encore des plateformes bleues. Ah. Crazy jumps. Plateforme bleue, plateforme bleue. Le reality has expired. Si je me trompe pas, il est incroyable. On va voir, mais il me semble qu'il est incroyable. Ouais, bah c'est pas celui auquel je pensais. Mais alors pas du tout. Je me souviens plus quelle est la feinte pour celui-là. On va finir par faire un truc avec des plateformes bleues, hein. secondes run hard. Bah voyons voir ça. Après t'as des niveaux simples, si tu veux pas de speedrun. Alors j'ai rien contre les speedrun, bah la preuve. Ah, j'ai chaté trop tard.
Y a pas l'indicateur. Bah alors? Ah bah le deuxième bloc ça sert à rien de le mettre si en le prenant on meurt. Putain, je regarde l'écran de contrôle qui est en décalé pour voir si l'image bug ou pas. Je ne devrais pas. Ah. 5% erreur. Mais il est pas difficile à aller. Ouais, allez, pourquoi pas. Bon, je vais aller retourner voir sur ta page, du coup. Creepy, si tu es là, Creepy Dusty. Dusty tout court, je crois. On peut t'appeler Dusty tout court. Alors, mais en fait, Dusty, c'est le nom de famille ou c'est le prénom? Parce que je sais pas. Hop. Pour le mode d'affrontement, ok. Ciel embrouillé. Viens voir. Tu es là, très bien. Eh bien... Bon, de toute façon, j'étais parti pour le faire, mais ok. Je préfère toujours savoir, évidemment, qui est là, qui n'est plus là. Et des fois, je suis en mode, tiens, lui, ça fait longtemps qu'il est là, on va faire plaisir, on va aller faire un niveau sur sa page, mais si le gars il est plus là, bah autant passer à quelqu'un qui est là, quoi. Un niveau bien classique. Je suis fait un petit dans le genre aussi. Mais c'est pas le niveau. C'est pas un niveau vanilla ça, un niveau d'écran d'accueil. Ce passage là ressemble totalement à quelque chose que je connais. Oui, c'est totalement un niveau de l'écran d'accueil ça. Oh, tu vas. Mais t'as rajouté les pièces? Ah oui, c'est vrai qu'il y a les pièces, putain, je les prends pas toutes depuis tout à l'heure.
vas tellement te prendre des dislikes, des bouts avec ça. Ouais. Bah désolé, mais bon. Avec juste une petite modif, il me semble. Donc, juste ça. Alors, pour le principe, un truc que je vais essayer. Voilà, c'est incroyable. Je me suis dit, tiens, ah bah, ce qui marche, c'est les plateformes bleues. Je vais faire un niveau plateforme bleue, mais un truc débile fait en une heure, même pas. Et ouais, bah il marche, hein, y a pas de souci. On va se le faire pour le principe. J'aime bien me refaire mes niveaux. En général, j'essaye de faire des niveaux que j'aimerais jouer. Hello Lewis. Hey yo. I'm gonna play your level next. Voilà, le jour où je me suis dit... Ah, bonjour monsieur, oui, oui, tout à fait. Ouais, le titre est en anglais, mais... Parce que c'est un peu le nom de la série. Disons que normalement je stream en français, mais là c'est vraiment... C'est beaucoup plus international au niveau du stream, mais aussi au niveau du fait que je... les niveaux, j'en extrais certains des lives, et je les poste sur YouTube, et du coup, c'est ni français ni anglais, c'est beaucoup plus international comme public que ce que je fais le soir, on va dire. Donc voilà. Bon voilà, quand je fais plateforme bleue, c'est ce truc là. So Lewis, Lewis, you are, you say ah bonjour monsieur, as in that's the few words you know in French and you're trying to communicate in French, or should we speak in English, or do you actually speak French if I'm speaking fast or things like that? Okay, I will just play one try of this one. Je vais juste faire un essai. Voilà, for the first time in over a year, I will play it, I promise. In not too long. Ah, oh, raté. I'll give a few tries to this. Ok, English for you, ça marche. Je vais faire quelques essais là-dessus. Nope. I just want one try that goes beyond the first part. Je veux juste faire un essai qui aille au-delà de la première partie. Oh, why do I miss this? Pourquoi je rate ça? How do I miss this? D'où j'arrive plus à le faire, quoi. Sans déconner. Non, le plus dur, c'est le premier shell jump. Non, après, normalement, c'est... Alors, pas gratuit, faut pas déconner, mais normalement, après, ça va, quoi. C'est celui-là qui est dur. Ok. We have a run. I just one try for this. No, why did I... Oh, fuck this. Why did I let go of the key? Pourquoi j'ai lâché la touche? Fallait laisser appuyer. Anyway, let's try yours. Alors, NR2. V98, V98, 74J.
No. No, no. Let's see what else you've got. Do you have levels that are around 5% completion? Do you? Do you, well, if I think I'm not gonna have fun, I'm not gonna play it, you know? I'm sorry about that, but do you definitely not? Well, then, huh? You know, I mean, I don't wanna be rude or something. I want to try something from you, you know, but that's all you got? Okay. Well, no, sorry. If you have a level code for a good level you did not make, maybe I could try. Okay, let's try message in the bottle just for the sake of it, but okay. Well, the start is not... Why does it say message in the bottle? I was expecting a music level. Okay, this one is 100% on me. Well, I would so... Well, no. Actually, I would not do it because it's just... there's nothing vicious at some point. It's just precise. So I wouldn't do it, but... It's like, well, what a way to say welcome, you know? You know? No. Simply no. That's how it goes. Your level names are song titles, yeah. That's a little misleading regarding the content, but it's just a personal thought, not blaming anything. You have 100% the right to do so. But then there's some disappointment when starting the level. It starts with a disappointment, because it's like, oh no, it's not a music level. Voilà, je disais, ouais, comme tous les niveaux sont des titres de chansons. And so, sorry, I cannot play your levels, so I will not. I'm afraid we have nothing to share there. Unless you want to share a fun level which is not made by you. Voilà, comme je disais, ben voilà, on n'a rien à partager, désolé. À moins qu'il ait un niveau intéressant à poster qui soit pas le sien. Casual light again, lift, what's this? Oh, ça va être... Let's try this. Kevin, you don't know the words. Okay, well. Okay. Celui-là il a l'air sympa. Non. Well, I should have waited, of course. J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre, clairement. Okay.
Ok. 28 seconds. Good. 28 secondes encore. Non, mais pourquoi je suis pressé? Faut que j'aille tranquille. Ah non. Faut que j'attende en fait. Faut vraiment que j'attende, y a pas de doute. Oh, I could do that jump. Vraiment. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça sur la fin? Pourquoi j'ai fait ça sans déconner? Je suis obligé de le refaire pour le faire proprement maintenant. Bon, ça tombe bien, il reste 5 minutes. Il est très bien ce niveau. Bah voilà, là c'était propre et en plus c'est un meilleur temps. Putain, 28 secondes! Ah, il a dû en skipper des plateformes là. Je sais pas combien il en a skippé, mais un paquet. Short blue list level, no checkpoints, très bien. Ok, donc ça c'est le 20 secondes de tout à l'heure. Pourquoi pas? Bon, et ben les gars, écoutez, moi. Je vais en rester là, à moins que quelqu'un ait une dernière chose à dire. Ouais, les streams de l'après-midi, en général, ils durent 2 heures. C'est les streams du soir qui en durent 3. Je vais pas toujours de stream l'après-midi, mais voilà. Je vais aller faire mon petit montage, extraire les niveaux pour les mettre sur YouTube. Et merci de passer, n'hésitez pas à repasser si vous avez d'autres niveaux. So, feel free to come again if you do have some levels that are...
part of the levels I like. Like around 5%, something like this. Donc, bah voilà, à une prochaine. Ciao!